comment c'était en tant que réalisatrice française de faire un film qui touche la culture ivoirienne? J'ai l'impression que c'était pas différent de mon premier film. J'ai travaillé de la même façon en essayant de comprendre les personnages avant tout. Et disons que c'était aussi un sujet qui m'était proche parce que c'est librement inspiré de la vie du papa de mes enfants. Donc c'était à la fois loin et proche. C'était une intimité qui faisait un peu partie de ma vie depuis très longtemps. Mais en même temps, comment j'ai abordé dans l'écriture, comme n'importe quel sujet en vérité, avec à tâtons, avec du respect, avec une envie de comprendre, de pas abîmer aussi, de respecter au maximum et en même temps de mettre en valeur des personnages. Si vous pouviez décrire le film en quelques phrases, oui, comment les décrire? C'est dur en quelques phrases. C'est l'histoire d'une famille qui trouve son ancrage dans un pays, mais en même temps qui se disloque. Mais c'est aussi la naissance d'un homme, d'un petit garçon qui devient un homme. Voilà.